elles sont nues. Salut Internet, c'est Kamoff. J'ai un énorme plan pour vous et pour gagner de l'argent. Comme vous le savez, à cause du coronavirus, pratiquement toutes les compétitions et tous les matchs de foot ou de basket, de rugby et de tennis ont été annulés. Il est alors compliqué pour tous les pronostiqueurs et tous les joueurs qui veulent gagner de l'argent de parier sur les matchs de foot ou autres. Cependant, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé le bon plan, c'est iProno. iProno, c'est un pronostiqueur sur les paris sportifs, mais sur les jeux vidéo. Alors j'ai testé moi-même pendant tout le mois de mars, parce que c'est tout nouveau et je me suis dit bon, peut-être que ça vaut le coup. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient à plus de 80% de réussite. Donc c'est un bon plan, effectivement. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe, comment jouer, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat. Si vous avez également envie de continuer à parier, même pendant le confinement, rajoutez-le, c'est important. Et en plus de ça, on me dit à l'oreillette qu'il y a une grosse surprise sur son Snap. Donc n'hésitez pas à vous y rendre tout de suite et à savoir de quoi il s'agit. Ciao, bonne vidéo. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai acheté un petit gadget sur Amazon. Hein, on va pouvoir espionner les gens. Alors je sais que c'est pas très... Il y en a, ils vont dire oui, ça se fait pas, on s'en fout, c'est rigolo, c'est ludique, c'est un jeu, c'est pour les enfants à la base, mais ça marche très très bien. Et avec ça, on peut écouter jusqu'à 30 mètres, donc pour vous dire la qualité du son, comment elle est bien. Avec ça, on a un petit appareil qui va nous permettre de relier le pistolet à celui-là pour enregistrer le son et en même temps l'écouter. Comme ça, dans la vidéo, vous pourrez écouter le son et ça sera très très bien. Voilà, donc là, comme d'habitude, je suis en compagnie des frérots. Il y a Soso, Eji, Fafa, Bâtard, il n'est pas là. Mais bon, on met son Insta quand même, on ne peut pas lui en vouloir qu'il ne soit pas là. Et n'hésitez pas à les rajouter sur Instagram, ils s'affichent tous en dessous. Il y a la chaîne aussi de Fafa avec Natouné, tel père, tel fils. Vous pourrez aller voir leurs vidéos quand ça vous chante. Les liens sont dans la description, voilà. Donc là, on va aller écouter la conversation des gens. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'on va bien rigoler. Voilà, à tout à l'heure. Ciao. Putain, mais je m'en bats les couilles. Moi, je t'en sors, ouais. Bah, vas-y, sors et on part. Mais alors, ton frère, c'est... Je m'en bats les couilles. Et alors, je me suis excusé, ça va. Ça y est. Ça va, tromper, c'est un grand mot, vas-y. Oh, bouge-toi le couilles, c'est bon. Ouais, je m'en bats les couilles, ton père. En fait, tu veux juste que je vous arrache tous la tête, c'est ça? C'est bon, ça va, pour une fois tu vas me rendre fou, bouge-toi le cul maintenant. Tu parles assez 5 000 gadgets, je te dis rien, alors bouge-toi. Là c'est un peu chaud les gars, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je sais pas, en gros c'est un gadget, il est devant chez sa copine et... Je sais pas, genre elle veut le quitter ou un truc comme ça et lui, il veut la frapper. La tête de ma gueule. Oh, je vais toujours en... Ah, sur ma mère, t'es pas là, dans 10 minutes, ton portail, je l'explose avec la voiture, c'est bon. Pour ta voiture, j'ai mis le feu, et après, je mets le feu à ton frère. Et là, je m'en bats les couilles qu'il fasse pas le bateau, je te le dis. Hein. Je vais mettre une balle dans la tête, c'est fils de cul, tu vois. Et alors, il se met trop de son cul. Mais la tête de ma mère, je vais faire une JAB, j'ai toujours buté. Ouais, gros, il commence à faire TV. Il lâchera pas l'affaire, il faut y aller, les gars. Toto. On t'entend un peu crier là. Putain la main. Et j'ai l'impression que tu veux frapper quelqu'un. Eh bah tu veux frapper qui, une gadget? Mon frère, même ton père je crois. Mais pourquoi? Tiens, tout ça te regarde. Je t'explique, en fait c'est pas qu'on fait, je suis pas là pour faire des problèmes. C'est juste te dire un truc, c'est que là ils sont en train d'appeler les flics, ils vont venir. Moi je te dis, je sais pas ce qu'elle t'a fait frérot, mais un conseil, passe à autre chose. Passe à autre chose. Parce que moi tu vois, c'est tu l'as révélé sur une femme. C'est même pas de quoi tu parles, si, conseil, toi tu dois dans la vie. Si, je sais de quoi. On sait de quoi tu parles parce qu'avec ça on t'a entendu tout à l'heure. On t'entend, j'ai écouté les oiseaux, j'ai entendu ta conversation. Et c'est pour ça que je t'ai dit, vas-y, viens frérot. C'est sérieux, moi je comprends que tu sois pas bien, mais viens, on bouge. Et déjà, ils vont me porter plainte. Tu vas niquer ta vie pour une histoire de cœur, frère, une histoire de cul. Vas-y, viens, frérot. En vrai, écoute-moi.
Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Là, si tu viens avec nous, demain tu réfléchiras, demain soir tu dis ouais, heureusement ils étaient là. Parce que là, je sais pas ce que tu vas faire, mais s'il y en a un qui sort quoi, ça peut finir en bagarre. C'est pas le démon qui met ouais, mais non, mais j'ai... Mais en vrai, viens avec nous, viens avec nous, frérot, viens. Hein, frère, tu en fumes une cigarette tu ou quoi, viens. Tu vas être dans la mer tout seul ou quoi. Non, mais frérot, c'est bon, après, je connais pas l'histoire, tu vois, mais moi, ce que je te dis, c'est que à un moment donné, frérot, tu vas faire des choses, tu vas les regretter. Et tu vas être là, tu vas regretter parce que tu as levé la main sur des gens qu'il fallait pas lever la main. Ouais. J'ai parti avec un mec, t'es sûr que... Ouais, il est ressorti tout joyeux. Tu sais, j'ai une gadine. Ouais, je sais que t'as une femme, non, mais rien de méchant, mais genre, j'ai eu des échos et tout, et je sais que j'ai parti avec un homme dans les toilettes. Et je pense pas que tu prends de drogue, je pense pas que. Et tu es resté quoi, une vingtaine de minutes. Ouais. Donc, tu sais, moi, je suis ton collègue depuis des années. Non, tranquille, on a juste en discuté. Tu peux me le dire, hein, gros. Non, discuter, tranquille. Après, gros, tu sous-entends quoi? Non, attends, je vais te dire la vérité. C'est que le mec en question, je le connais. Et je sais qu'il va dans des barrières et il a une vidéo de toi en train de. Dans les toilettes avec lui. Tu vois? Comment ça, il a filmé? Il a filmé, gros. Ah, si, il a gardé pour lui, mais comme moi, je suis un bon collègue à lui, tu sais, je sais son homosexualité et tout, il n'y a pas de souci avec ça. Pourquoi on est dans une ère où il faut avouer, tu vois, comment on est? Ouais, bon, en fait, ouais, c'est pas simplement quelque chose. Ouais. Je vais être franc avec toi, mais que ça sort. Pas de là. Non. Moi, je connais. Il s'est passé un truc. Ouais. C'est passé un truc, on est allé dans le shop, on a discuté et tout, et moi je dis que ça sort pas de toi là. Malheureusement, il a filmé, j'avais même pas. Et si tu veux, il me dit écoute, voilà, je sais que ça se voit qu'il y a des champs, machin, etc. Ouais. Et j'ai rien dit, je dis écoute, si tu veux, après je t'ai un coup d'un soir. Tu avais déjà fait ça avant? Deux fois. Ah ouais, donc c'était pas la première. Et ta femme pas au courant, j'imagine. Non. Et non? Non, elle est pas au courant. C'est assez bizarre parce que la conversation, en gros, c'est un mec qui avoue à son... En gros, là, c'est un mec qui avoue à son pote qu'il est gay. Après, attention, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa sexualité. Hein. Chaque homme est libre. Allô, chérie. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je vais aller boire un coup, là. Ça va, c'est toujours bon? Tu vas toujours rester avec tes copines ce soir? Ça va. Non. Je crois que je vais inviter quelques collègues à la maison. On va prendre des pizzas et c'est bon. Ouais, ça va, on se voit tout à l'heure. Ouais, ça va. Oh, ok, à toutes. Bisous, chérie. Allô, Sylvie? Oui, c'est Lucas. Ouais. Moi, j'ai eu votre fille au téléphone, là. Ce soir, elle va toujours resto avec ses copines. Si vous voulez passer... Ouais, on se prend un truc. Ça va être des trucs sales ce soir. Ah, je suis excité comme une puce. Ah oui. Ah, tu m'excites. C'est ta fille, elle le sait, on est pas bien. Pire, je t'appelle quand elle part. Et toi, tu as envie de moi ou pas? Ah, tu vas voir, je vais te faire du sale. Tu peux même pas t'imaginer. Des trucs que je n'ai même pas fait à ta fille. Bon, ce soir, Sylvie? Ouais, ça va, ce soir. Je t'appelle, ça va. Bisous. Ciao, ciao. Oh les gars, le mec là, il est en train de tromper sa copine avec la mère de sa copine. C'est incroyable. J'espère que ça enregistre bien hein, au niveau du... Oh, c'est sûr, monsieur. Ah, c'est bon, je sais que je suis moi-même. C'est déterminé. Je t'explique, là, il y a plein. Attention, ça veut dire que si je fais péter, tu ne me connais pas. Si tu fais péter, c'est avec quoi? Je ne connais pas. Il y a R, tu sais pas qui je suis, je ne connais pas. T'inquiète, frérot, je vais t'expliquer le coup. T'inquiète, c'est sûr, c'est carré. Il y a des sorcières. Chérie, moi, je travaille. Mon responsable, ce fils de pute, on a commencé ensemble. Tu vois, c'était mon collègue à la base. Et genre, tous les jours, on travaille ensemble. Et lui, il est passé responsable. Là, il est parti en vacances. Il revient demain. Ouais. Demain soir, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le truc au plus vite. Ouais. Ça veut dire là, il faut que si tu es déterminé, on est déter, on fait des affaires, on est prêt. On y vend s'équipe et je vais t'expliquer, c'est un endroit là. Il y a un coffre, je connais le code, t'inquiète, on va prendre 15 000 euros. Parce que tu connais ça, il coffre bien, c'est mon petit fils de pute. Et t'inquiète, il y a 5 ans à part, et dedans il y a du matériel, tu connais, des écrans plats, des télé, genre des ordinateurs, des PlayStation, il y a plein de trucs. D'accord, on prépare un coup pour demain, genre. Prépare un coup pour demain, il a donné l'adresse et tout. Ouais, il parle du cabrio là. On y va à deux, c'est un petit grillage à grimper en deux, on rentre, c'est carré, on ouvre la porte, on prend tout, on prend des sous, on fait moitié, on balargue les affaires, c'est carré. C'est terminé.
C'est sûr. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. C'est bon, t'inquiète, c'est carré, y'a pas de bruit, y'a pas de chip à quoi. T'inquiète. On va pas ouvrir quand je suis avec toi. T'inquiète, c'est bon, tu sais, c'est moi, je t'appelle. On sait jamais, je peux faire mettre les choses. C'est bon, vas-y. Tu sais quoi, je t'appelle ce soir, au Skype, et on verra pour le coup. Vas-y, c'est bon. Il a dit l'adresse et l'heure, il a tout dit. On a tout, les gars. On y va demain. On essaie de piste. On s'attrape sur le fait. Il faut qu'on soit là avant. Demain, vous avez rien à faire, dès qu'il travaille. C'est bon, sûr? T'es là, toi aussi, demain? Ouais. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, en voulant nous amuser à espionner la conversation des gens, hein, je sais qu'il y en a qui diront ouais machin, c'est pas bien, ça va, un délire frérot, c'est un public, on a le droit, tu vois, c'est pas interdit. Mais vous voyez que ça a aussi du bon, parce qu'en espionnant des gens, nous sommes tombés sur deux personnes qui prévoient un cambriolage. Hein, t'as plus rien à dire là, l'internaute qui veut casser les c***** là, d'un coup t'as plus rien à dire. Donc comme vous l'avez compris, il y a deux personnes qui veulent cambrioler pendant que la personne en question est en vacances. En attendant, si vous voulez porter notre marque, rendez-vous sur le site www.futuratech.com. En ce qui me concerne, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Faites attention à vous et rendez-vous à 18h la semaine prochaine. C'était Kamoff, faites attention à vous et surtout, parlez doucement parce qu'on risque de vous entendre. Ciao.